Et en plus, mais en fait, il n'y a pas de mascara. J'ai le droit à tout, sauf les prix mini. Prix mini. J'ai 15 euros, donc je vais choisir un truc pour 15 euros. Non, non, non. Bon, salut les filles, aujourd'hui ça va être une vidéo très très courte parce que tout simplement j'ai fait un petit saut chez MAC. Voilà, et je vais vous présenter ce que j'ai pris. Vous vous souvenez bien, quand j'avais reçu ma petite Birchbox, et ben, il y avait un petit bon d'achat pour 15 euros, c'est-à-dire que j'avais le droit de dépenser sur toute la boutique mes 15 euros, et si j'avais choisi quelque chose qui coûtait plus cher que 15 euros, j'aurais pu rajouter le supplément et avoir mon produit. À part les mini-prix, donc les petits produits qui sont, enfin, évidemment, un format miniature et qui sont dans les alentours de 10 euros. Voilà, donc j'ai acheté premièrement, c'est ceci avec mes 15 euros d'achat. J'ai pris le baume, enfin l'exfoliant à lèvres, donc c'est gommage à lèvres en fait, voilà. Et il est à la vanille, moi j'ai pensé que c'était noix de coco, ça sentait plus coco que vanille. J'ai pu le tester et voilà, j'ai décidé de le prendre parce que je trouve que c'est quelque chose de sympa. Et puis j'ai pas de gommage à lèvres, à part que je peux m'en faire moi-même tout seul. Toute seule, j'en ai déjà fait avec du sucre et du miel. J'en referai sûrement, sauf que là, bon, j'avais une remise. Vous savez tous qu'on tombe tout le temps dans ce piège de remise et des bons d'achat. Je me remets plein de questions. Je me remets en question et je me suis remis en question plein de fois cette nuit. Revenir vers la réduction des déchets, diminuer les achats, et puis voilà, je reviens avec un truc. Mais bon, je me suis dit, j'ai pris ce que je n'avais pas chez moi, je n'ai pas pris une panoplie de choses que j'ai déjà à la maison, donc voilà. Je sais que j'achète encore un petit peu, mais voilà, ça va être tout doucement. Je vais essayer de réduire un maximum mes achats. Et parce que vous allez voir après, je vais montrer la table, elle est pleine à craquer de maquillage, de pinceaux et de tout le reste. Déjà, elle est maquillée, enfin, les crèmes, elles partent un petit peu, mais alors le reste. Bon. Je vous présente les produits, on en parlera après. Donc voici l'exfoliant, enfin le gommage. Il se présente, je vais l'ouvrir parce que je vais l'utiliser, comme ceci. Ils sont trop trop bons. Et je peux vous montrer peut-être un petit peu parce que ça gomme bien, hein, j'ai déjà essayé. Donc ça s'appelle Sweet Vanilla Lip Sculptus. Voilà, il y a 14 ml et donc c'est... C'est pas marqué la date de validité après l'ouverture. Voilà. Donc, vous voyez, il est assez doux. Et puis, il est assez sympa pour... Là, bon, j'en ai pas pris énormément, mais ça fait un peu comme une petite crème. Et ça gomme bien. Là, j'ai pas pris les graines. Mais normalement, ça gomme bien. Je l'ai déjà testé à un magasin et j'ai bien aimé. Voilà. Il coûtait 16,50 € et comme j'ai eu ma remise de 15 euros, donc j'ai payé 1,50 € juste en plus pour l'avoir. Parce que vous n'avez rien à 15 euros à part les petites choses justement auxquelles vous n'avez pas le droit, qui coûtent 10, etc. Et après on est parti, mais quand on était à Vélizy en fait, au supermarché de Vélizy, il y avait plein de choses là-bas et on nous a donné, j'étais avec mon copain, on nous a donné vous savez, il y a un petit livret avec plein de remises, encore une fois, tombé dans le piège. Et ben, il y avait un petit papier de bon pour aller récupérer chez Max sur simple visite. Ceci, donc j'ai récupéré ça parce qu'en fait au départ j'ai oublié de le donner. Donc je suis revenue sur mes pas et je suis repartie avec ça et avec autre chose.
Donc ça c'est un petit fond de teint SPF 15. J'espère qu'elle va donner bien ma couleur. C'est pas marqué la couleur. On fait au Canada, mais la couleur est pas... Ça sent pas mal, hein, ça sent bon aussi. J'espère juste que c'est ma couleur. Vous avez une petite spatule à l'intérieur. On va tester. Ça peut être sympa en déplacement, hein, franchement, parce que c'est une miniature, donc c'est super sympa. Alors, on va tester. Est-ce que c'est bien ma couleur? Bon, il est un peu jaune, mais je trouve que ça va, finalement. On voit pas trop de différence, à moins que je vais voir après en vidéo. Ça me paraît un peu jaune, là, quand je regarde. Bon, faites pas attention, il faut arrêter de manger du chocolat, hein, le sucre. Hein. Voilà, bah, c'est bon, hein, finalement. Il sent bon, un petit peu sucré à mon goût, mais franchement, il colle pas, il est pas mal. Et donc voilà, ce que j'ai acheté en plus, c'était ça. Ben, j'ai acheté ça justement dans tout ce qui était à mini prix, donc 10 euros. Je l'ai acheté tout simplement parce que je l'ai testé. En fait, quand j'avais plein de maquillage sur mes mains, je testais, je swatchais. Et puis là, j'ai vu les lingettes à tester, hein, donc j'ai essayé. J'adore, l'odeur elle est juste bon. Je vais pas les ouvrir parce que je pense les garder pour le voyage. C'est un bon format et ça vous évite de prendre les tubes, les... voilà. Bon, c'est sûr que c'est pas très écologique parce que c'est des lingettes, mais je vous avoue, le discours d'écologie, j'ai commencé à le taper après avoir investi de l'argent. C'est sûr que je reviens à chaque fois, je reviens, je rachète, je reviens. J'espère qu'un jour je vais revenir une fois pour toutes et que je vais vraiment faire attention à ce que j'achète. Mais bon, pour le moment c'est comme ça. Donc voilà, j'ai acheté ces petites lingettes et le côté 10 euros. Dedans vous avez 30 lingettes. Donc les lingettes démaquillantes, et donc ça s'appelle MAC évidemment, Gently of Vibes plus Micellar Water, donc avec de l'eau micellaire. Contente. Après, donc voilà, je vais vous raconter un petit peu au niveau boutique. J'ai apprécié moyennement parce que moi déjà j'ai pensé que MAC c'était américain, alors non, c'est canadien. Et je ne savais pas que ça faisait partie du groupe d'Estée Lauder. Là je suis complètement surprise. Je trouvais que même s'ils disent que c'est pour toutes les peaux et toutes les âges, je trouve que c'est pas tout pour toutes les peaux. Je pense que c'est plus pour les peaux un peu mates, parce qu'en tout cas là où j'étais, il y avait beaucoup de choses qui étaient pour les peaux mates. Enfin, c'était très foncé pour moi, c'était très coloré pour moi aussi. Certes, hein, c'était des belles couleurs, mais je trouve que pour moi, ben, c'était pas pour moi, quoi. Après la boutique elle était vraiment toute petite. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'elles sont avenantes, les conseillères, c'est qu'elles maquillent les clientes, c'est sympa, il y a des miroirs partout. Elles sont très souriantes, c'est vraiment ça, c'est très agréable. Mais c'est un le MAC, tout simplement. Je pense que je ne vais pas tomber dans ce comment dire, dans ce fanatisme de MAC. Je suis pas quelqu'un qui je suis plus en fait celui qui aime les cosmétiques françaises, italiennes ou allemandes. Allemandes, j'aime beaucoup tout ce qui est allemand, c'est les crèmes. Hein, elles sont très très fortes là-dessus, je trouve. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients mauvais. Ça sent en général bon, c'est assez nourrissant pour la peau, puisque bon, ils ont un petit peu plus. Et c'est un petit peu plus froid chez eux que chez nous. Voilà, et la cosmétique française, bon, italienne un peu moins, je connais un peu moins. Mais alors la française, c'est vraiment, franchement, je trouve que c'est tout dans le loin, c'est tout dans le, comment dire, dans l'élégance, c'est tout fin, c'est tout beau, c'est tout petit, c'est très joli, c'est, comment dire, les ingrédients aussi en font partie évidemment, c'est très parfumé, enfin, bon, après il faut voir, ça dépend des maquillages, des cosmétiques, moi j'adore Yves Saint Laurent. J'aime beaucoup Lancôme, L'Oréal, Bourjois, voilà, c'est tout ça ce que j'aime. Et donc j'ai tellement l'habitude d'acheter que ces produits-là que voilà, je connais pas trop les autres et ça me va très bien comme ça. Guerlain aussi, bon, j'en ai qu'un produit, mais bon, j'ai toujours un parfum et j'ai l'illuminateur, enfin les météorites. Voilà, et bah, tout ce qui est italien, oui, ils sont très forts au niveau parfum, hein, parfum à la mode, oui, tout ça, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup les parfums français, italiens, oui, donc voilà. Maintenant, concernant ce que je vous dis, donc déjà, de 1, la nouvelle, c'est que je n'étais pas acceptée pour le travail dont je rêvais, à l'université de Versailles, je suis complètement dégoûtée et j'étais complètement déboussolée ce jour-là quand j'ai appris qu'on ne m'a pas retenue, tout simplement. J'ai passé un deuxième entretien, ça s'est très bien passé, ils ont apprécié mon CV, ils étaient super sympas avec moi, mais après ils ont dit que la fille qui était après,
Elle avait plus d'expérience que moi, et voilà, et c'est bien, pas, c'est, on m'a dit, vous ne pensez pas que c'est à cause de votre CV, bien au contraire, votre CV nous a beaucoup plu, mais c'est le fait qu'elle a moins d'expérience, plus d'expérience que vous, on aura moins de travail en fait à la former. Je dis, bah super, j'aurai jamais d'expérience comme ça, si personne va me prendre, va m'embaucher pour avoir de l'expérience, bah, j'en aurai jamais. Déjà à 35 ans, c'est un peu difficile de démarrer quelque chose de nouveau, mais alors quand on vous dit que vous n'avez pas d'expérience, ben je suis vraiment dégoûtée. Enfin bon voilà, passons. Donc maintenant, je suis à nouveau en recherche de travail, pour le moment au chômage, mais bon. Je ne baisse pas les bras, je continue avec mes bijoux, j'ai encore des commandes que je vais expliquer d'ailleurs aujourd'hui. Je vous remercie à toutes encore de passer vos commandes, ça me fait vraiment très très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreuses, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Par contre, je vous fais un rappel encore, si vous souhaitez participer à un concours, à ce concours là que je vous ai fait dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à vous inscrire, à suivre les conditions et continuer, parce que le 15 en fait c'est fini, hein, le 15 c'est fini, le 16 c'est je vais annoncer les résultats, donc foncez-y, faites le concours si vous le souhaitez. Vous allez voir ce que j'offre pour ce concours là dans la vidéo justement de concours, n'hésitez pas à vous inscrire. Et d'ailleurs, je voulais remercier aussi des nouveaux abonnés. Ça fait vraiment plaisir de voir un peu plus de monde sur ma chaîne. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. J'espère ne pas vous décevoir avec mes vidéos ni avec ma chaîne, hein, tout simplement. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous dire encore, je continue à mettre en vente mes nouvelles bijoux, mes nouvelles boucles d'oreilles. Donc, n'hésitez pas à faire un tour aussi. C'est www.coffretdebijoux.com. D'ailleurs, celles-ci, j'ai décidé de les garder. Je ne vais pas les vendre, finalement, je les adore. Donc, ça sera les miens. Et à chaque fois, quand je revoyais hier mes bijoux, ben, je voulais garder cette paire-là. Mais bon, après, je ne vais plus jamais vendre si je vais tout garder pour moi. Mais il y en a plein qui me plaisent. Et ça, le mauvais œil, là. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? J'ai perdu 1 kilo. Bon, c'est pas énorme, mais je peux vous dire que je ne fournis pas énormément d'efforts non plus. Je suis toujours en train de compter mes calories, mais je ne me refuse presque rien. Et donc, voilà, j'ai perdu qu'un kilo, mais ça me fait déjà du bien, parce que ce kilo-là, il tient déjà depuis plusieurs jours. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Et je pense que ça se voit un tout petit peu, je vais y croire. Et après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Les prochaines vidéos à venir, ça sera, donc comme vous avez déjà remarqué, j'ai pas de vernis parce que j'essaie de préserver un petit peu mes ongles, d'en prendre soin et de faire des petits soins, de les guérir un petit peu, parce qu'ils sont vraiment en très très mauvais état, et ça, j'en suis vraiment très très déçue parce que je les ai bien bousillés avec tous les vernis. Donc là, ça fait un peu de repos, un peu de qui respire un petit peu. D'ailleurs, donc, je vous ferai une vidéo sur soin des ongles, sur ce que j'ai acheté justement pour mes ongles. Je ferai une autre vidéo sur les savons, ma collection de savons. J'attends encore des livraisons, donc c'est pas fini. Il y aura sûrement une vidéo sur, comme je vous ai déjà dit, sur un des produits ou plusieurs produits, mais une vidéo par produit, terminée avec les ingrédients qu'il contient, qu'est-ce qu'il y a de bon, comparé avec un autre peut-être s'il y a quelque chose dans l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a de mauvais et pourquoi, etc. Enfin voilà. Voilà. Donc je pense que c'est tout. On a fait le tour. Et puis j'espère que vous allez apprécier. Là, voilà. Vous voyez, je veux parler des ongles. Cette fois, c'était plus les lèvres. Parce que dans la Birchbox, la dernière, j'ai reçu un rouge à lèvres vieux rose de MAC. J'ai acheté le exfoliant, enfin le gommage pour les lèvres de MAC, et des lingettes démaquillantes, enfin bon, après la fondation, le fond de teint, mais en gros c'était plus des trucs pour les lèvres finalement, sans le savoir, enfin sans y penser forcément, bah j'ai fait la vidéo lèvres, on va dire. Voilà, donc sur ce, je pense que la vidéo a été normale. On me dit qu'elles sont très très longues mes vidéos. Écoutez, si ça vous plaît pas, bah, je suis désolée, hein, mes vidéos sont mes vidéos, donc je fais comme je peux. Et je fais comme je le sens, et je pense que après, si c'est ennuyant de regarder, c'est pas la peine de regarder, c'est tout. Je ne force personne de s'arrêter sur ma chaîne, d'y rester. Moi, je trouve qu'en fait, si on aime, on reste. Si on n'aime pas, on reste pas. Moi aussi, il y a des youtubeuses que j'adore. Des fois, il y a des vidéos qui sont pas très intéressantes. Bah, je regarde un petit peu et après, je ferme. C'est tout. Mais ça m'oblige pas d'être méchante ou de me désabonner si jamais il y a une vidéo qui m'a pas plu ou qu'elle était trop longue, ou voilà, ou que le sujet ne m'intéressait pas forcément. Ça veut pas dire que je vais cracher sur la personne et lui dire que ah non, mais tes vidéos sont trop longues, c'est nul, j'ai plus envie de te regarder. Écoutez, après, chacun son avis. Moi, je trouve que je fais les vidéos relativement moyennes.
Je sais que j'en ai fait des longues, hein. Il y en avait de 30 minutes, même il y avait 40, mais c'était sur ma chaîne tricot, là c'est autre chose parce qu'il y a des explications, etc. Là il m'arrive d'en faire 30 minutes, mais ce sont des vidéos de visite, donc c'est des vidéos culturelles de visite, en fait il y a beaucoup de photos, etc. Mais ça c'est plus pour mon archive personnelle parce que j'adore regarder tout ça, et même bon, si après ça vous ennuie, vous pouvez ne pas regarder, mais moi ça me permet de laisser une trace, bon je partage quand même. Voilà, après mes vidéos en moyenne c'est 15 minutes, donc là je pense que je dépasse un petit peu les 15 minutes, c'est vrai que je deviens de plus en plus bavarde, ça peut déranger, mais bon enfin je vais essayer de les faire pas plus de 15 minutes, pour moi c'est la moyenne normale. Après certes il y a des vidéos de 5, 4 minutes, 3 minutes, mais c'est des vidéos hyper speed, en général sans explication, une petite présentation, sans la voix, etc. Voilà, donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu quand même si elle était un petit peu longue. Je vous souhaite un très très bon week-end. Là, il y a le soleil, il fait beau, il fait bon, j'adore. Donc profitez bien de votre week-end, enfin la fin de votre week-end, et une très bonne semaine à toutes et à tous. Et à très très bientôt, ciao.